Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Overwatch et on va jouer healer parce que parce qu'on a deux tanks, on a 3 DPS, donc je me dévoue et je vais jouer donc healer. On va jouer Mercy, Ange, on a un français, qui dit on doit gagner, donc j'imagine qu'on a des français avec nous. Ouais, je prends Ange parce qu'en solo heal, bon, on le changera peut-être, mais en solo heal, je pense que ça reste assez fort. Peut-être sur le deuxième point, on prendra pas Ange, mais plus peut-être un Zenyatta, je sais pas. On verra, on verra. On commence avec Ange en tout cas. Et puis on verra ce que ça donne après. C'est difficile de défendre, c'est difficile de défendre. Parce que là, je rappelle qu'on est en... qu'on appelle ça. C'est pas une ranked, c'est pas une partie compétitive, donc... bah tu peux difficilement, je trouve, défendre les parties en deux points. Enfin, on va voir, on va essayer, mais ils ont beaucoup de temps en fait. Alors nous, on va buff peut-être. Je pense que je vais buff lui. J'ai bon espoir qu'il fasse pas mal de dégâts. Allez, vas-y, j'ai foi en toi. Alors on a un équipier qui est parti loin. C'est la tresseur. Bon, la tresseur, c'est... Passion. Voilà. Là on est en train de le boost. Est-ce qu'ils ont besoin de heal? Parce que je rappelle qu'on est solo heal. Donc ben voilà. Hein. Il y a mieux. Hein. En fait, solo heal, bon, ça peut marcher hein, avec, avec Mercy. Hop. Après lui il peut s'auto-heal, hein. C'est pour ça que. Hop là. Derrière, derrière, derrière. Et voilà, nous on a laissé notre viens par là, viens par là. Hop. Oh, et on est tombé malheureusement. Et comme je vous disais, c'est difficile solo heal, hein. Penser à tout le monde, etc. Tu as des chances de te faire couillonner. Ils ont double heal, hein. Ils ont Brigitte et Moira. On essaie de s'accrocher à lui. Allez, hop. Oh. Ouais, j'arrive trop tard malheureusement. Alors, on va essayer de le raise. Hop. C'est quand même la force de Mercy. Là par contre j'ai besoin d'aide. Ouais, c'est terrible, hein. C'est terrible solo heal. Si t'as pas de pile, nous on l'avait raise, mais il est parti sur le tank adverse et pas sur nous. Protégez votre solo heal hein, quand il est tout seul à heal. Si vous avez deux healers, bon, tu peux avoir d'autres priorités que d'aider ton healer. Mais quand c'est le seul qui est tout seul comme un crétin à essayer de heal. Voilà, ça va être difficile. Est-ce qu'on peut... Non! Tu es où? Viens là. On va essayer de la heal. Mais laisse-moi tranquille! Au secours! Au secours! On est la chose des adversaires. Hein. Brigitte est mon healer préféré, hein, donc je sais à quel point, mais... En fait, Brigitte, solo heal, ça marcherait pas du tout, donc... Le truc, c'est que si on nous protège pas, on fera rien. Comprenez bien, on a besoin d'être protégé. On a deux tanks, mais après, le truc, c'est que 3 DPS, il faudrait qu'il y ait au moins un DPS qui se fasse plaisir et qui nous aide. Voilà, regardez, regardez. Pas de pile, il n'y a pas de... La médecine de guerre, c'est ma... Ouais, je peux pas te tenir à ce point là, pourtant j'étais full heal sur lui, mais... Ah,
ne meurt jamais. On met l'ulti. On essaie de... on a essayé de le heal comme on pouvait. Aïe, je me suis jeté sur sa truc, j'ai voulu le raz mais j'avais pas le raz de toute façon. Attention. C'est dommage. On tient mais il leur reste encore 3 minutes 40. On lui amplifie les dégâts, voilà. On essaie de faire ce qu'on peut. Faut qu'on se mette derrière la barricade hein, au max. Bien là. Un petit coup de poing. Ah, il faut rester derrière ta barrière. Là, le truc c'est que je me commit pour le heal. Bah ça passe. On a le raise. Donc si on tombe pas, ça peut le faire. Attention. Jamais. On a récupéré l'ulti. Ah, il tombe. On va essayer de le raise, mais si. Ça l'a pas raise. Ça l'a pas raise. Regroupez-vous pour une attaque en force. Alors là, faudra m'expliquer. Pourquoi ça l'a pas raise? Là je suis à fond. Une minute 45, ils ont encore pour... Alors je suis pas là pour faire les dégâts, vous l'avez compris, mais... Après je trouve ça intéressant quand même le côté essayer de gérer... Ah, là vous avez vu, il nous veut, mais on a tenu. Par là, donc c'est bon. Tu vas loin. Tire-lui dessus, Ah, je peux pas voir. Ah, on va tomber. Est-ce qu'ils peuvent gagner sur ça? Aïe. Ah, mais bien joué, Napoléon. Un français probablement. T'éloignez pas trop de moi. Allez, oh là là, regardez, on le heal en boucle. Voilà, c'est bien joué les gars. On l'a heal. Prends une seconde à tenir. Prends le petit pistolet histoire de rigoler un peu. J'arrive pas à viser le McCree, voilà. 18 secondes à tenir. Tu vas loin. On essaie de le tenir là. Ah, elle m'a pas pu le tenir. C'est compliqué, je peux pas aller là. La raise, mais on tombe aussi et peut-être que c'est la gagne pour eux sur ça. Peut-être, c'est difficile. Non, je pense qu'on peut gagner. Et je crois qu'on a gagné. Tout ça avec la petite ange, moi que j'aime bien, je pense que c'est le healer. Alors, je préfère jouer Brigitte. Mais hein, vous voyez, quand t'es le seul healer de ton équipe, t'as intérêt à jouer comme ça en fait. Et il faut faire... C'est gentil, me mettre
des bons points les mecs, c'est gentil. La game s'est bien passée, on a galéré des fois, au moins Brigitte elle nous a énormément focus. Mais voilà, on a fait ce qu'on pouvait. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas merci à vous d'avoir regardé, c'était une petite game avec Ange, vous la merci, merci pour les votes les gars. Et nous on se retrouve pour d'autres games, à bientôt, bye bye, ciao.